il est revenu. 3 semaines après avoir manqué son comeback dans le Grand Steeplechase de Paris, Belle Lavie a remporté le prix des Dragues 2015. Le héros du Grand Steeple 2013, remis d'une terrible blessure, et ici au travail avec Bertrand Lestrade, tout de bleu vêtu, avait vu son entraînement fortement intensifié par Guillaume Macaire à Royan. En seulement 10 jours, il a retrouvé son mental de guerrier. La dernière roue qui est en vue maintenant pour Razik, qui a toujours le meilleur. Pensons en deuxième position, Régis Brunel qui vient à l'extérieur. Belle Lavie qui progresse vivement à l'extérieur. Belle Lavie qui va renouer aujourd'hui avec la victoire numéro 4. Régis Brunel peut-être à l'intérieur, aux avant du poteau. C'est fait pour le 4 Belle Lavie qui s'impose dans ce prix de la 2015. Bravo! Félicitations. On n'a pas eu de drone aujourd'hui, mais on était suivi, alors du coup on a été obligé de s'envoyer. C'était toi l'avion aujourd'hui? Oui, bah, le cheval il a vraiment répondu présent et il court très très bien. T'as eu peur pendant la course, tu l'as réveillé de bonne heure quand même? Oui, j'ai de suite voulu dominer, le remettre devant moi, il fallait que j'y croie pour deux. Et il s'est bien ressaisi, il a très bien sauté en face. Et après il a mis un bon coup de rein pour finir. T'as retrouvé ton cheval? Oui, là je pense qu'on est sur la bonne voie, après il y a toujours le problème de la rivière. Bon, on va le régler avec le temps, j'espère. Le cheval nous a gagné le premier groupe, le Grand Steeple. Déjà il nous a tout apporté, tout ce qu'on voulait. Et là il nous apporte le prix des dragues, l'une des dernières grandes courses qu'on n'avait pas gagnées. Il a quand même dû le réveiller un peu parce que maintenant le cheval, je pense qu'il a pris aussi plus de philosophie. Bon, je vais pas aller pleurer, mais je pense que si le Grand Steeple, on avait une autre philosophie pour l'aborder, on avait le droit de disputer la victoire. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Bon, ça restera une ombre, mais c'est la vie. D'accord. Mais elle est quand même belle, la vie, aujourd'hui. Ouais, elle est belle.